Nous sommes toujours exposés. Et l'agression qui s'est produite vendredi dans le Thalys Amsterdam-Paris, qui aurait pu dégénérer dans un carnage monstrueux, sans le courage de plusieurs passagers, notamment de militaires américains, que j'ai distingués hier. Oui, cette agression est une nouvelle preuve que nous devons nous préparer à d'autres assauts et donc nous protéger.